Thank you.
patriote, le message que j'ai à adresser au peuple congolais va s'articuler en trois points. Le premier point, quel est le problème du moment? Le deuxième point, où est la solidarité des Bangala, des Baluba et des Baswahili, puisque les gens de Bandundu sont avec Kabila? Je demande où est leur solidarité. Et le troisième point, quel est le mot d'ordre que je donne au peuple congolais? Et ce sera terminé. Premier point, quel est le problème? Mais lisez mes Congo Dieto, c'est moi qui a prôné le dialogue, le glissement et la transition supplémentaire. Mais je ne suis pas allé au dialogue. J'ai délégué Mantezolo comme vice-président du parti pour me représenter. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi je ne suis pas allé au dialogue. Mais je ne suis pas allé parce que l'esprit Mwanda m'a dit que Kabila veut se maintenir via les conseils de Sassou Nguesso. Ainsi, il va tout faire pour bouleverser les décisions de la conférence. C'est pourquoi moi je ne suis pas allé à cette conférence. Kabila a voulu provoquer une guerre à l'Est et prendre comme prétexte, on ne va pas faire des élections, je continue parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais puisque Mantezolo, le petit diable, Mantezolo leur a donné l'occasion de provoquer la guerre du Bas-Congo, maintenant toutes les armes descendent dans le Bas-Congo, ils disent que nous allons faire la guerre dans le Bas-Congo, résultat final, les élections n'auront plus lieu, on va les reculer parce qu'il y a la guerre. Mais ils disent, l'esprit m'a dit ceci, Mwanda m'a dit ceci, ils disent que cette guerre, ils vont la mener dans tous les villages de Bakongo. On va exterminer tous les Bakongo et à la fin de la guerre, il n'y aura plus de Bakongo au Bakongo. La zone ouest deviendra l'amphithéose Mwanda. Pour les Américains, les Belges et les Français, le reste du Congo central sera donné au Baluba, au Baswahili et au Rwandais. Les Baluba commençaient déjà à dire « Tokoboto Labino Mabele Yaba Congo ». C'est tout. Donc, c'est le problème du moment. Quel est le problème du moment? C'est moi qui ai envoyé Mantezolo comme vice-président au dialogue national. À la fin, on a formé un gouvernement de large union nationale, le gouvernement Sami Badibang, dans lequel Mantezolo a été nommé vice-ministre. Poste ridicule, parce que le BDM est le seul parti qui est populaire dans ce pays. Nous avons toute la population du Bas-Congo derrière nous. Mais le PPRD, pour aller aux réunions, il faut payer de l'argent. Donc, il n'y a que le BDM qui est populaire dans le Bas-Congo. Le reste, c'est de la foutaise. Donc, Mantezolo, vice-ministre, poste ridicule. Alors, j'ai dit à Mantezolo, le peuple Congo veut que vous démissionniez. Mais il est rentré à sa maison, au lieu de démissionner de son poste ministériel, il a démissionné de son poste de vice-président. Après, Mantezolo, escorté par 5 jeeps de Banamura, est allé à Kimpese, il est entré à la chaîne de la radio, il a commencé à me vilipender, à me traiter avec impolitesse, le peuple congolais s'est révolté, alors on a tout pillé, ces maisons, ces chambres froides, ces pieds, ces chambres froides, ces magasins, tout, on a pillé. La révolution s'est transférée à Luozi. À Luozi aussi, on est en train d'envoyer des armes pour aller tuer les Bakongo. Et la révolution s'est déplacée à Mbanzamungu, à Songololo, à Kisantu. Alors le petit Mantezolo a fui Kimpese. Il est allé à Matadi. Il a causé avec Jacques Mbalou. Finalement, le général Patience, qui est marié à une femme Manianga, c'est pourquoi il est un peu bon envers les Bakongo, a escorté Mantezolo de Matadi jusqu'à Kimpese. Arrivé à Kimpese, le général Patience a donné Mantezolo au général Tangofor. Et le général Tangofor devait transporter Mantezolo avec sa garde jusqu'à Kinshasa. Arrivé à Kisantu, les adeptes de Bundu au Congo ont dit, vous le général Patience,
Vous êtes une autorité. Nous sommes prêts à vous laisser passer. Mais nous avons vu dans votre bâtiment Tezoro qu'il descende. Comme le général Patience ne voulait pas faire descendre Tezoro, les adeptes de Bundoua Bonkou venaient de se battre avec les troupes de Kabila et qui leur ont arraché des armes, ont alors ouvert le feu sur les hommes du général Patience. Il y a eu 10 morts. Mais il vous raconte que c'est 4, c'est 10. Et après, le général Patience Tagofor a foncé avec Mante Ezolo et il est arrivé ici. En résumé, Mante Ezolo, escorté par Demba Namoura, est allé faire de la provocation à Matadi. Le feu s'étant allumé à Kimpese, il est allé faire de la provocation à Kimpese. Le feu s'étant allumé à Kimpese, il est parti à Matadi. Le général Patience l'a escorté jusqu'à Kimpese et l'a donné au général Tangofor. Parce que Kabila a déplacé Tangofor à Kimpese pour rencontrer le général Patience afin de prendre Mante Ezolo. De Matadi à Kimpese, Mante Ezolo a été transporté par notre beau frère, le général Patience. Et Kabila a dépêché quelqu'un qui doit récupérer Mante Ezolo, c'est Tangofor. Alors Mante Ezolo est entré dans le véhicule Tangofor, arrivé à Kisantu, il y a eu des altercations avec les adeptes de Bundoua Congo et à la fin des comptes, Tangofor est venu avec Mante Ezolo à Kinshasa. C'est cela le point du problème. S'il y a eu des morts, c'est la faute de Mante Ezolo. Je l'ai envoyé au dialogue représenter le parti. Au sorti du dialogue, il s'est simplement manifesté comme l'agent de Kabila qui est contre le chef de Bundoua Congo. Voilà le problème du moment. Deux, quelle est la solidarité des Bangala, des Baluba et des Baswahili? Parce qu'en 2006, on a tué les adeptes de Bundoua Congo. Les Bangala n'ont rien dit, les Baswahili n'ont rien dit, les Baluba n'ont rien dit. Mais chaque fois qu'il y a des tueries ailleurs, les Bakongo cotisent. Donc nous, dans le malheur de l'Est, on participe. Nous, quand nous avons un malheur, tout le monde est silencieux. C'est pourquoi je me pose la question de savoir, maintenant, que Hippolyte Kanambe, il ne s'appelle pas Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe, maintenant qu'il envoie des troupes au Bakongo pour massacrer les Bakongo, quelle est la solidarité des Bangala, des Baluba et de Baswahili pour soutenir les Bakongo? Si nous voyons cette solidarité, alors nous saurons que nos frères Bangala, Baluba et Baswahili nous aiment. Si on ne voit pas cette solidarité, nous allons tirer les conséquences. Moi, je viens du ciel, le monde entier ne me connaît pas. Je veux maintenant que les Bangala, les Baluba, je ne parle pas de Banour parce que les gens de Banour sont derrière Kabila. Mais les Bangala, les Baswahili, les Baluba, je voudrais qu'ils montrent leur solidarité au peuple Congo. S'ils le montrent, alors vive la République démocratique du Congo. S'ils ne le montrent pas, nous allons tirer les conséquences. Je veux voir la solidarité des Bangala, des Baluba, des Baswahili. Qu'ils répètent partout le Rwanda aux Rwandais et le Congo aux Congolais. Quel est le mot d'ordre que je donne au peuple congolais? Écoutez mon mot d'ordre. Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Est-ce qu'au Rwanda, on peut accepter qu'un Congolais devienne le président? Par conséquent, premier mot d'ordre, Hippolyte Kanambe, dehors! Je ne veux plus voir Hippolyte Kanambe dans ce pays. Chassez Hippolyte Kanambe. C'est ça le mot d'ordre que je donne au peuple congolais. Chassez tous les Rwandais, les Rubérois, les Rugwiza, tous les Rwandais dehors. Voilà le mot d'ordre que j'ai donné au peuple congolais. Hippolyte Kanambe et Rwandais dehors. Tous les Rwandais, les Rubérois, les autres, dehors. Et quand ils seront partis, nous allons nous réunir ensemble avec l'UDPS,
le MLC Bundula Mayala pour voir ce que nous allons faire de notre beau pays. Quand Hippolyte Kanambe sera parti entre frères, Bundula Mayala, l'UDPS et le MLC vont fraterniser et décider ce qu'il faut faire pour leur pays. Voilà le message que j'avais à adresser au peuple congolais. La chorale va chanter de nouveau Kumbo Tetiaga Congo à Tukamase. Thank you.
Ouais.